Asher Scott est le leader, c'est le dirigeant du réseau criminel de la dynastie Scott. Donc c'est lui qui gère tout le réseau criminel. Ella est une captive dans ma fiction. C'est une représentante des chefs du réseau. Donc c'est elles qui sont un peu les bras droits des chefs, qui sont appelés les possesseurs, du coup. Elle participe un peu à la veille des autres réseaux, elle négocie les autres, enfin, pas à la place des chefs, elles font aussi de l'espionnage, donc ça dépend. Et là est une captive contre son gré. Et l'histoire commence au moment où elle rencontre et travaille avec Asher Scott. Il ne veut pas travailler avec elle, elle ne veut pas travailler avec lui, mais ils sont forcés à travailler ensemble. La dark romance, pour moi, a toujours été un thème très intéressant, pour le coup. Bon, une dark à proprement parler, dans mon histoire, c'est plus les univers qui sont sombres et c'est plus les personnages qui sont assez tourmentés. J'ai toujours aimé le thème de la dark romance parce que c'est un thème où on voit des personnages évoluer, qui sont tourmentés et qui évoluent. C'est beaucoup plus. Enfin, pour moi, c'est très intéressant de les voir évoluer alors qu'ils partent du plus bas et que voilà. Bon, à la base, j'écrivais sur une plateforme et donc je n'avais pas forcément une réelle vue sur les lecteurs, c'est toujours à travers un écran, c'est toujours très... Il y avait beaucoup de chiffres, mais on le voyait pas forcément. Et là, et c'est toujours un peu surprenant de voir une vague de personnes qui viennent avec les livres et qui sont... Enfin, toujours très surprenant et c'est incroyable, mais très surprenant. Voilà.